Troisième épisode. Cette semaine, c'est ma deuxième semaine de formation. La semaine commence plutôt bien. Cette semaine, mon objectif de la semaine, ça va être de remettre en place mes habitudes que j'avais à la maison. Remplir mon bullet, me brosser les dents, me laver, faire mon journaling. Et déjà, ça, ce sera bien. Il faut que je réussisse aussi à placer dans ma journée une heure de montage. On va essayer. Si j'y arrive, c'est super cool. Si j'y arrive pas, tant pis. J'essaye de faire au mieux. Il est déjà 22h. J'ai commencé à me préparer à aller dormir. Il était 21h et déjà 22h. Je pensais avoir le temps de lire. Eh ben non, tant pis. Peut-être qu'en prenant ces marques, j'y arriverai. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai appelé la mère du pote à mon frère. Je rencontre elle et son mari et sa famille, je pense. Dimanche après-midi. Et ce sera en fait une solution pour que j'ai une chambre à moi la semaine. J'ai eu un appel de Home Up. J'ai un rendez-vous demain à 18h téléphonique avec eux pour faire mon dossier. Jusqu'à 21h de libre. Je traîne sur mon téléphone depuis ce matin.
à rien faire. Je me suis dit, bon, on va arrêter de traîner sur son téléphone à rien faire. On va faire du montage vidéo pendant 45 minutes, 1 heure. Donc on va faire du montage aujourd'hui. Même s'il fait super beau et qu'on pourrait sortir. Je me rends compte que vraiment ça me fatigue, le boulot. J'ai fini de monter, j'ai eu des gros problèmes pendant le montage. Mon logiciel, il a commencé à s'éteindre. Donc j'ai essayé de monter sur DaVinci, sauf que DaVinci, c'est beaucoup plus compliqué que celui que j'utilise actuellement. Je peux pas apprendre à monter dessus en une après-midi. Faut que je finisse ma vidéo, faut que je vérifie les batteries de mon téléphone. Il faudrait que je monte la vidéo, que je commence à monter le road trip, que j'avance sur le montage de cette série-là, le premier épisode. Je veux pas les monter avec trop d'écart. Je suis à 115 minutes de travailler, j'ai pas fini la première vidéo. Je commence à en avoir un peu marre, il reste encore 4 heures, pas un pigeon. Donc il me reste moins de la moitié à monter, ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle. Donc je pense que je vais aller regarder la vidéo de We Are Olympe que j'ai commencé en début de semaine, que j'ai pas eu le temps de finir. Parce que voilà, avec un 25 heures, t'as pas de temps, c'est un truc de dingue. Les gens là qui ont un 35 heures, je sais pas comment vous faites pour trouver du temps pour regarder des vidéos, faire le ménage. Manger. Comment vous faites? Moi je suis trop claquée. Moi je me couche tôt, je me lève tôt. Le soir, en fin de semaine je fais rien, je suis trop claquée. Après ça c'est peut-être parce que j'ai pas encore le rythme. Si je peux pas faire mes vidéos à côté, je pense que je ferai mes 3 mois d'essai total. Et puis après je retournerai à la maison, tant pis. Et ce sera pas un échec d'aventure, ce sera un apprentissage. Jamais d'échec, y a que des apprentissages. Ça peut même pas être un échec. Vu que de base j'ai fait ça sur un coup de tête. J'ai fait ma pause, j'ai pas regardé ma vidéo. J'ai envoyé ma soeur, tu veux du thé, et en fait elle a fini sa session de JDR. J'ai pas vraiment jusqu'à 21h, on va reprendre le montage. Salut, c'est la fin de l'épisode. Aujourd'hui il s'est passé énormément de choses, j'ai rien filmé parce que c'était que avec des gens. On a la belle famille, ma soeur qui est venue. On a mangé des crêpes tous ensemble, j'ai fait des crêpes à la banane. Qui étaient quand même un peu compliquées à cuire, mais elles sont plutôt bonnes, je pourrais m'en faire pour demain. Je suis allée rencontrer les parents au coloc à mon frère. Il pourrait m'accueillir que la semaine, dans une chambre où il n'y aurait qu'un lit. J'ai un peu beaucoup mitigé sur le truc. C'est à 40 minutes de chacun des deux endroits où je suis susceptible de travailler. Je décide actuellement qu'à partir de cette semaine, je vais noter ma semaine sur 10 dans différentes catégories. La catégorie humeur, comment c'était la semaine, quelle note je garde mentalement de ma semaine. Pour cette semaine, mentalement, je garde une note de 8. Franchement, ça allait plutôt bien cette semaine, donc 8 sur 10.
stress m'en parlant, c'est sur 10. Et que 10, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de stress, je dirais un 6, un 6-7, un truc comme ça, 6-7, ouais. C'est quand même stressant de savoir où je vais travailler. On a su très tard comment elle va être la semaine prochaine. Une note globale de ma semaine, petit 9, ouais. Parce que c'était une semaine super cool. Voir un petit 10, 9-10, mais 10, c'est super semaine. Donc. Dire 9,5, ouais, 9,5. C'était trop bien, on a eu le goûter vendredi. On a eu la belle famille, il y a ma soeur qui est venue. J'ai pu monter ma vidéo, tout s'est bien passé. Et on va mettre le niveau de fatigue aussi de 1 à 10. Et on va dire que 10, c'est-à-dire que je suis très très fatiguée. Et pour cette fin de semaine, je mettrai un 6. Ouais, un 6. Parce que je suis fatiguée, mais je suis pas claquée. Sur ce, je vais vous dire bonne nuit, parce qu'il est 23h21 et que je dois me lever à 6h30 demain. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à laisser un petit j'aime. Bah, passe une bonne fin de journée. N'oublie pas de boire parce que c'est important. N'oublie pas de dormir aussi, c'est important. Sans trop dormir, mais dors bien aussi. Sur ce, bisous!